Et salut tout le monde, c'est Briou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ça me fait ultra plaisir de vous retrouver sur le jeu parce que ça fait vraiment longtemps genre que j'ai pas fait de vidéo sur Animal Crossing. Ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'avais fait sur le jeu, c'était quand j'avais visité l'île de Luffy Games dans le monde des rêves. D'ailleurs, la vidéo sera en description pour ceux qui l'avaient pas vue. J'aime beaucoup genre vous tourner des vidéos Animal Crossing et tout, donc c'est vraiment dommage que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais en tout cas là je reprends les vidéos Animal Crossing. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, bah je vais simplement vous montrer ma maison dans Animal Crossing. Dans une ancienne vidéo il y a longtemps, en fait j'avais déjà montré ma maison, mais sur Animal Crossing New Leaf, du coup sur la 3DS. Mais sur la Switch, je vous ai jamais montré ma maison, c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui. Ma maison est juste devant, elle est juste après, mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'en fait, au mois d'octobre, il y aura un Nintendo Direct spécial Animal Crossing. C'est vraiment trop bien, du coup, j'ai hâte de voir les choses qui seront annoncées. Déjà, on sait qu'il y aura le retour du coup du café de Robusto, qui s'appelle aussi le perchoir. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie qu'ils remettent sur la Switch, et du coup c'est vraiment cool genre qu'ils le remettent, parce que c'est quelque chose qui était déjà sur la 3DS et les anciens jeux Animal Crossing. La Switch on l'avait pas, mais du coup c'était forcément sûr qu'ils allaient le remettre un jour. Et donc là c'est vraiment trop bien du coup que Nintendo a confirmé du coup qu'on aura vraiment le café. Et évidemment une fois que j'aurai le café sur mon île après la mise à jour, et ben je vous ferai une vidéo bien sûr. Bon c'est vraiment trop cool, je suis sûr qu'il y aura plein d'autres trucs qui vont être annoncés. Imaginez s'il y a aussi le retour de la boutique revente et retouche qui était sur 3DS. Après c'est possible, je sais pas, peut-être on verra ça. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit chemin et juste devant ma maison. Donc on va directement y aller. Voilà ici comme vous pouvez voir, du coup déjà c'est un petit jardin ici. Avant qu'on rentre dans la maison, en fait, je tiens à préciser qu'en fait dans ma maison, en fait, il n'y a pas forcément tous les meubles et tout, genre qui sont bien mis et tout. Mais je vais arranger tout ça et quand il y aura vraiment beaucoup de changements dans ma maison et tout, bah, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous remontrer ma maison. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais vous la montrer comme elle est. Ici voilà, ici on a un petit robinet là, on peut l'ouvrir comme ça, le fermer. On voit, c'est un petit jardin classique. Là. Ici là, voilà la partie principale du jardin, la petite piscine ici. Voilà, là on peut aller s'asseoir ici, voilà. On prend le café tranquillement. Et là, voilà ma maison. D'ailleurs j'ai dû courir dans ma boîte à lettres, mais bon, on verra ça après. On va directement rentrer. Oh non, il y a un cafard dans ma maison. Mince, j'ai envie de vous montrer ma maison, sauf qu'il y a des cafards à l'intérieur. C'est pas grave, du coup, je vais vous montrer ma maison. Voilà, ici, les petits trucs d'anniversaire. Ici, il y a un petit canapé, tout ça. C'est le petit salon, du coup, un petit salon classique. Il y a même la télé, on peut l'allumer. Voilà. Franchement, mon salon, vraiment, je l'aime bien. On va aller dans la pièce de fond, donc dans la pièce au fond c'est ma chambre. Voilà une petite chambre normale. Une petite armoire. Ici un petit bureau, on peut s'asseoir. Là il y a le lit, du coup on peut s'allonger aussi sur le lit. Ici il y a un petit hamster dans une cage. Et bon voilà du coup, ah oui ici j'ai un petit truc de Doritos ici. Et de l'autre côté, normalement, j'ai un truc de PewDiePie. Voilà. Bon, voilà, du coup, on va sortir de la chambre. Oh, encore un cafard. C'est bon, on l'a tué. Là, maintenant, on va se diriger vers la cuisine. Par contre, la cuisine, elle n'est pas complète. Bon, voilà, du coup, la petite cuisine, par contre, elle est vraiment pas complète. Pareil, c'est une petite table avec une chaise. Elle a un petit frigo. Il y a un petit ventilateur, là on peut l'éteindre. Et on va le rallumer. Hop. Bon écoutez, maintenant on va sortir de la cuisine. On va maintenant passer à la salle de bain qui est à côté. Ma salle de bain, moi j'en suis assez fier, je sais pas ce que vous en pensez. Ici on a un petit sédacrante en plus. Voilà, là on s'assoit sur les toilettes. Il y a même la chaise qui se tire. On voit la petite salle de bain. On va maintenant sortir de la maison. Maintenant, on va passer au sous-sol qui est assez spécial. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà mon sous-sol qui est assez cocasse. On va pas se cacher. J'ai allumé la lumière vite fait pour que vous voyez mieux. Voilà un sous-sol. Voilà. On va rééteindre la lumière comme c'était. Bon,
Bon, c'est pas très accueillant de traverser du sous-sol, donc on va directement sortir de là. On va maintenant passer à l'étage, qui est la dernière pièce de la maison. À l'étage, en fait, j'ai fait un studio YouTube, j'en suis assez fier, je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà mon petit studio YouTube avec le mur Mario et également le sol de Mario. Ah, j'ai tué tous les carrefours, c'est vrai que ça a fait ça. Ici, on peut jouer du xylophone. Ici, une petite photo de Rosie sur les murs. Regardez, ici, du coup, évidemment, du coup, pour se filmer. Et la caméra à côté, il y a des projecteurs. Et regardez, salut tout le monde, aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Ici, les petites jukebox pour la musique. Là, on a tout ça et tout, là, franchement, c'est vraiment cool. Là, on a tout ça et c'est vraiment cool, on a un mini train et tout. Franchement, les studios aussi, j'en suis assez fier. Oui, bien voilà, je pense qu'on va descendre de la maison. Bon, voilà, du coup, on est de retour devant chez moi, on a visité toute la maison. C'est vrai quand même que ma maison pourrait quand même être mieux que ça, mais franchement, j'en suis assez fier. J'espère que cette petite vidéo chill vous a plu. En tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir regardé, ça m'a fait ultra plaisir de faire une vidéo sur Animal Crossing. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!